Il est des hommes dont l'existence est intimement liée à l'histoire de leur pays. Guy-Maurice Chouly est de ceux-là. Né en 1930 à Sarlande, à la frontière Dordogne-Limousin, il n'a qu'une dizaine d'années quand lui et ses quatre frères voient débarquer les premiers maquisards à la ferme familiale. Mon père, chaque nuit, partait avec le passe-partout, lâche, dans la nuit, et ils allaient couper des arbres, etc., couper les poteaux téléphoniques, etc., pour faire en sorte de bloquer autant que faire se peut la circulation des miliciens. On voyait tout ça, on vivait tout ça. Donc, vous pouvez penser que si on avait été interrogé, on n'aurait pas été capable de se maîtriser. Donc, on aurait parlé de ce qu'on voyait. Donc, on ne l'a jamais fait, y compris donc, sous les gifles des miliciens. La guerre finie, Guy Maurice, dit Bichou, monte à Paris pour y travailler en tant qu'ébéniste. Syndicaliste et communiste, il est élu adjoint à la mairie de Romainville en 1959. Un poste qui l'amènera à côtoyer quelques grands noms de l'ère soviétique. J'ai eu la responsabilité officielle, de la part de la municipalité d'Anvers, d'aller accueillir le cosmonaute soviétique Pavel Popovitch sur le Bourget. On avait réussi à l'accueillir pour qu'il vienne inaugurer la cité Gagarine. Dans le même temps, il s'engage avec le comité de la paix alors que la France est empêtrée dans sa guerre avec l'Algérie. Le 8 février 1962, il fait partie du cortège mortellement réprimé, rue de Charonne à Paris. C'est la panique. Les manifestants se réfugient dans les entrées d'immeubles, dans les cafés, d'autres dans la bouche du métro Charonne. Des hommes, des femmes basculent dans cette bouche de métro sous la pression de la police. Et moi, j'ai été massacré aussi, donc l'arcade sourcilière, surtout le maxillaire, et puis le poignet qui me fait toujours mal. J'ai réussi à passer sous un bus qu'ils avaient stoppé. Et j'ai traversé la rue Charonne pour. J'étais accueilli dans un porche. J'entends toujours encore un blessé. On m'a monté au troisième étage et deux jeunes Tunisiens qui faisaient la médecine m'ont pris en charge. Dans les années 90, Guy Maurice prend sa retraite. 10 ans plus tard, il rencontre Simone, sa nouvelle compagne, avec qui il s'installe à Saint-Junien. C'est elle qui va le pousser à écrire ses mémoires. Elle a tendu l'oreille comme s'il s'agissait d'un vieux soldat. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pu me remémorer beaucoup plus facilement ce que j'avais vécu. Tout ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai vécu de A à Z. Voilà. Une volonté de retransmettre qu'il n'est pas prêt d'abandonner, Bichou planche déjà sur l'écriture d'autres histoires familiales.